très très souvent, vous me dites dans les consultations privées ou sur Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook, vous adorez écouter les histoires des membres Savoir Maigrir et leur histoire d'amaigrissement. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire plaisir. Vous allez entendre celle de Stéphanie. Elle habite en Corrèze, elle est secrétaire, elle a perdu 30 kilos, elle les a perdus en un an et demi. Alors, regardez bien. Alors, mon surpoids, il date de ma grossesse, déjà. Et d'un déséquilibrage alimentaire, tout simplement. Des portions mal faites, une cuisine un peu trop riche, parce qu'en Corrèze, on mange bien aussi. Hein. J'ai pris 25 kilos en très peu de temps. C'est 25 kilos que j'ai perdu. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont les accidents de vie qui sont responsables de notre prise de poids. J'appelle accidents de vie les deuils, les événements professionnels, les problèmes conjugaux, tous les problèmes financiers. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que de temps en temps, ces mêmes accidents de vie, ils peuvent être responsables du déclic qui va faire maigrir. Vous allez voir. Il y a eu un déclic, en fait. Hein. C'est suite à mon divorce. Et j'ai décidé de m'inscrire fin décembre 2017. Ou 2016, je ne sais plus, sur le programme Savoir Maigrir. Et j'ai perdu, hein, on va dire, les 30 kilos que je devais perdre. Pour aider nos membres Savoir Maigrir, on a un petit secret. On a créé ce qu'on appelle, nous, la routine minceur. C'est un ensemble de gestes qu'il suffit d'accomplir tous les matins. Stéphanie les a fait, ça lui a demandé 5 minutes. Elle va vous expliquer. Alors, la routine minceur, c'était plutôt le matin. En fait, hein, où je lisais les mails, où je suivais la vidéo, où je consultais effectivement mon menu, hein, en fait. Et donc ça a été vraiment le repère de chaque matin. Et c'est très très bien. On raconte toujours que maigrir, alors vraiment, c'est l'histoire d'une volonté personnelle, que c'est également une modification absolue du comportement alimentaire. Et bien moi, je vais vous dire, je crois que le meilleur, ça reste quand même l'accompagnement. Et vous allez voir, Stéphanie, elle va vous l'expliquer. J'ai obtenu le soutien donc, de ma diététicienne au niveau de la motivation, déjà. Alors ça, parce que des fois, on a des pertes de motivation hein, qui sont quand même importantes quand le poids stagne à un moment donné. Et aussi bien dans l'équilibre ou les équivalences, bien évidemment, de nos menus qu'on fait, qu'on répercute à la maison. Et les sorties au restaurant, les barbecues, etc. Et ça, c'est très très bien de la part des diététiciens. Très souvent, après un amaigrissement, et surtout quand on regarde des photos avant-après, il y a une espèce de sentiment contradictoire qui s'affiche, c'est comment j'ai pu en arriver jusque-là et pourquoi j'ai pas commencé plus tôt un amaigrissement. Réponse. Il n'y a pas de mots là-dessus, c'est je veux plus jamais être comme ça. Ça, c'est une chose. Ça prouve un mal-être, ça prouve que j'étais pas heureuse du tout quelque part et qu'au jour d'aujourd'hui, ben, quand je me regarde, je me retrouve pas à mes 17 ans, mais à un âge où effectivement, quand on est comme ça, et ben, on est bien, on sent qu'on est bien dans son corps, bien dans sa tête quelque part. Ouais. Je préfère être comme ça. Maigrir, évidemment, c'est un changement de corps, c'est un changement de poids, mais c'est aussi autre chose. C'est la reprise de la confiance en soi-même. Écoutez bien ça. J'ai retrouvé l'amour. J'ai à nouveau quelqu'un dans ma vie qui est mon premier petit ami d'adolescente. Voilà. Après avoir subi un divorce assez compliqué, je me suis remise à courir 10 km deux fois par semaine. J'adore m'habiller, me maquiller. Tout ça, c'est un nouvel équilibre, on va dire. Et pour moi, c'est une renaissance. Bon, on est super content pour Stéphanie. Elle a perdu ses 30 kilos, elle a retrouvé le sourire, sa joie de vivre. Elle a même retrouvé l'amour. Alors, on va lui demander ce qui lui a manqué pendant ce régime. Mais le programme Savoir Maigrir, et ça, je le dis vraiment sincèrement, c'est qu'il est extrêmement complet, très, très bien suivi. On a les menus au mois, on a le suivi de la diététicienne, on a les lives de Jean-Michel Cohen, on est suivi sur le forum, on a la liste des courses, on a les petites vidéos du matin, on a la chaîne de YouTube de Jean-Michel Cohen avec le test des produits alimentaires. Il est extrêmement complet et
pas du tout onéreux quelque part. Donc il faut se lancer, il faut tenter les choses et moi je dis que ça fonctionne et ça fonctionne même très très bien. Comme le dit Stéphanie, pour réussir un régime, la première des choses à faire c'est quoi? C'est qu'il faut se lancer. Alors je vais vous demander quelque chose, vous allez faire votre analyse minceur, ça demande 2 minutes, ça va vous permettre de savoir qui vous êtes et de vous donner des objectifs de perte de poids et si vous le faites, vous allez me retrouver juste après pour vous renseigner.